Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est une ouverture de colis que j'ai reçue d'Alex Dent. Bon, elle m'avait prévenue, hein, mais elle m'avait dit un petit colis. Oh, c'est pas un petit colis. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Donc, je l'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était pas abîmé, pas cassé, pas quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, mais j'avais quand même envie de vous partager avec vous parce qu'il y a quand même des gens qui sont super gentils, généreux, et j'avais envie de montrer que ben il n'y a pas que des mauvaises choses dans le monde, il y a aussi des belles choses. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo ouverture de colis. Donc c'est parti! Dans ma chambre, positionné différemment parce que déjà j'ai plus de batterie, donc j'étais obligée de charger mon téléphone, et j'ai mon tout premier pied, donc c'est même pas un pied, c'est, je sais pas, je vous ferai une photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il tient plus des masses, il est en PLS le machin, je sais même pas pourquoi on le garde en fait, mais bon, ça peut être utile, donc on le garde quand même. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, j'ai reçu une petite carte comme ça, toute mignonne. J'adore le petit détail comme ça. Franchement, il me faut pas grand-chose, je l'ai déjà dit. Hein. Mais ça, c'est le petit détail qui fait tout, en fait. Donc, je sais pas si, par contre, si c'est elle qui l'a fait ou quoi. Donc, elle m'a mis un petit mot devant et j'avais pas vu derrière. Chambin ne rentrait pas dans le carton. Mince alors. J'ai trouvé ça super gentil. Et vraiment l'attention qui marque tout en fait. Donc merci beaucoup. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai reçu le colis, que je l'ai pris dans les bras, déjà la factrice, elle a dit il sent bon. Et moi je fais ça et je dis ah ouais effectivement ça sent super fort, ça sent bon quoi. Il y a une odeur. Waouh. Je vous assure, ça sent trop trop bon. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était en bon état, c'était pas cassé, et je me suis pas attardée sur tout en fait. Donc, dans un petit paquet comme celui-ci, tout mignon, j'aime beaucoup, il y a ceci, Flouze. Alors, je sais pas si je le dis bien comme d'hab. Donc, c'est un brillant à lèvres, comme Chichi. Voilà, je fais un petit swatch comme ça rapide pour les choses qui ne sont pas scellées, pour pas tout ouvrir d'un coup, parce que en gros autant ouvrir petit à petit et utiliser petit à petit plutôt que tout devoir utiliser d'un coup. Ensuite, on va continuer avec les petits produits comme ceci. Donc c'est des produits La Neige. Alors là, je vous l'ai dit, Never Test, donc n'a jamais été testé sur les animaux. Super ça. Donc La Neige, donc c'est un produit pour nettoyer le visage et le cou. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment, il est simple, ça je vais l'utiliser assez rapidement puisque j'ai pas vraiment de morning routine ou de du côté niveau entretien de la peau. Je devrais hein, peut-être, mais je suis assez fainéante, donc c'est pour ça que j'achète jamais, jamais. Rarement des produits, c'est vraiment sur un coup de tête en fait. Ensuite, le produit de la marque Cavaillès, une huile universelle de surgras, nourrit intensément et régénère. Là, donc, c'est pour le visage et le corps. J'aime bien les petits flacons comme ça. Ça fait penser aux vacances et tout. Ensuite, ici, un petit. C'est un mascara. Oui, c'est un mascara. Donc ça oui j'utilise puisque bon, j'ai qu'une seule marque, j'en ai deux en fait. J'ai une marque de Yves Rocher et une marque qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je sais plus le nom d'ailleurs, c'est Maybelline je crois. Mais en vrai je suis pas à tester énormément parce que j'ai toujours été déçue des mascaras ou de la tenue ou autre. Donc vraiment je prends par rapport à ce que je vois ou ce que j'entends sur les réseaux.
Mais sinon, c'est bon. Après, j'aime bien qu'on m'offre des trucs comme ça, que je puisse tester et après vérifier. Donc là, Sophia plus Mabel. Donc ça, je ne connais pas non plus. Donc pareil, lip c'est pour les lèvres. Donc une huile pour les lèvres qui se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc, Sophia Mabel. Si je le mets dans le bon sens, en fait, ce serait mieux. Heureusement que ma fille ne les a pas encore vus. J'ai deux petits stylos trop mignons. Il y en a un qui va aller dans mon sac et il y en a un qui va rester tout près de moi quand je fais des vidéos. Des fois, vidéo K-pop, ça m'arrive d'écrire parce que je fais des recherches. Derrière, il y en a une qui va arriver. Je sais pas quand encore, mais là, j'ai des recherches à faire. Je vais les utiliser. Donc, il ne faut pas que ma fille les voie. On a une petite gourmandise de Jelly Belly. Alors, ça doit être. Ah oui, c'est à la cerise. Trop trop bien. Ça pareil, on va faire attention avec Chloé. Ensuite, alors ça je pense que c'est des petites feuilles et il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est des savons en fait, que vous glissez dans votre sac et comme ça vous en avez partout. Il me semble que c'est ça parce que j'avais déjà vu ça sur Shein et je devais en prendre. Je les avais mis dans mon panier et quand j'ai validé le panier, parce que je tarde tout le temps pour valider les paniers Shein, et ben en fait il n'y en avait plus ou alors ça a sauté, je sais pas. Et du coup ben j'en avais pas parce que je voulais en prendre pour ma fille. Pour que justement elle ait de quoi se laver les mains. Parce qu'au collège des fois ça arrive où il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Déjà le papier cul, tout ça des fois c'est genre inconnu au bataillon des fois. Donc c'est compliqué pour le collège. Et nous avons qui tout petit. Lapin trop trop mimi. J'aime beaucoup. Bon, ils vont squatter quelque part. Il y aura quand même une petite déco de Pâques. Parce que franchement, je vais pas les laisser dans le carton ou comme ça. Je vais les laisser trôner sur mon buffet avec mes plantes. Donc voilà pour ce qui est du premier sac. Bah oui, hein, vous n'êtes pas prêts, il y en a beaucoup. Même moi, hein, quand j'ai ouvert le carton, je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? Deuxième sac. Et là, on voit que même si on ne se parle pas depuis longtemps, 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 et ben on voit qu'en fait, elle a regardé mes vlogs ou mes hauls et que. Et ben que voilà quoi. Elle a tapé dans le mille, c'est tous des masques. Alors, coréen en plus. Alors, un coréen, ben, tous les masques là, c'est coréen. Et là, ça doit être. Alors, soit chinois, soit japonais. Je crois que c'est japonais, oui, c'est japonais. Donc, ça fera plein de masques. J'aime beaucoup en plus les masques. Oui! Nous avons du thé de maison Bourgeon. Et ça, je pense que Nico en a eu aussi dans ses colis surprises et dans ses calendriers de l'Avent. Qui font ensemble une bougie. Bah oui, ouais, c'est logique. Hein. Donc une bougie de Ava et Mai. Alors je sais pas si je le dis bien. C'est donc Germanie, c'est allemand. Et franchement, elle sent mais trop trop bon. J'arrive pas à décrire l'odeur. C'est pas, je sais pas. C'est franchement c'est Ça sent trop trop bon, j'ai trop envie de l'allumer. Mais elle sent trop trop bon, plus la boîte, elle est trop belle, je ne vous avais même pas montré. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver, mais je peux pas faire autrement. Il faut que je tourne du linge. La rentrée c'est lundi, et du coup, quand vous aurez la vidéo, vous l'aurez là mercredi. Mais faut que j'habille ma fille, quand même, faut pas qu'elle y aille cul nu. Et vu qu'elle me garde ses vêtements dans sa chambre, forcément. Des petites fleurs. Je crois savoir où je vais les mettre. Je crois savoir. Ça va aller dans la chambre. Ou peut-être ailleurs. Enfin, je ne sais pas encore. Mais je crois savoir. J'en ai un. J'ai un. Ah, c'est pas un truc comme ça, moi. C'est des branches de fleurs de cerisier que j'avais acheté à Floralux. Je sais plus combien j'avais payé, mais j'ai payé super cher. C'était avant de savoir que à Shein, sur Shein. Et même, je pense qu'il y en a à l'action, mais je suis pas sûre. Je crois. Je me trompe peut-être. C'est avant de savoir que Shein en faisait et que c'était deux fois moins cher. On trouve des petites chips comme ceci, de pommes de terre avec le goût prune. Donc,
Ça, c'est pareil, ça me tarde de goûter parce qu'elle m'avait dit qu'elles étaient super bonnes. J'y avais pas regardé spécialement où les acheter parce que j'ai complètement zappé. Il faudrait que je note à chaque fois qu'on me dise faut que tu goûtes ça et tout, mais j'oublie à chaque fois. Donc, j'ai l'impression que ma machine elle va décoller. Et nouilles! Alors, je sais pas si c'est chinois, japonais ou ça doit pas être coréen, je pense pas. Nouilles de blé instantanée avec sauce d'assaisonnement teriyaki. Je crois que le teriyaki, c'est une des sauces que j'ai jamais goûté. Honte à moi. Et là, c'est avec la sauce d'assaisonnement yakisoba. Je connais pas non plus. Donc, ça va être une totale découverte. Je me suis rendu compte que ça faisait glouglou. Quand je prenais le carton, je me suis dit ça fait glouglou. Il y a des choses qui cassent. Déjà, il était marqué fragile, donc j'étais à douter que ça cassait. Mais en plus, ça faisait glouglou. Je me suis dit il y a des bouteilles. Donc, du soju à la prune. Alors, celui-là, je le connais, puisque j'ai une bouteille. Mais c'est marrant, c'est que. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il change peut-être. Le design, enfin le design, les étiquettes, mais c'est pas la même étiquette. Sur le coup, je me dis c'est prune, et puis après, je réfléchis, je fais bah oui, plume, c'est prune, enfin bref. Donc, celui-là, je connais, et il me semble que j'aime bien, mais ça remonte à longtemps. On va me prendre pour une ivrogne, donc je suis trop contente. Ça tombe bien, je crois que mardi, mon mari n'est pas là. Que de l'alcool, toi. Une petite boisson Ramune. Alors, si vous connaissez pas, c'est des boissons où vous avez une bille que vous devez et puis ça fait une boisson gazeuse parce que là elle est pas gazeuse, mais une fois que vous avez enclenché la bille qui va se mettre là, ça fait ça libère du gaz et du coup elle est gazeuse. Et celle-là, je crois que c'est pareil, c'est à la prune, oui, c'est à la prune, et jamais goûté. Et je me dis, alors là, mon mari avait pris deux bouteille. Ouais, il a pris deux bouteilles. Bon, j'aurais préféré les garder et en faire une collection entre guillemets. Sauf que mon mari a récupéré les billes à l'intérieur parce qu'il en avait besoin. Je sais pas pourquoi, mais il les a récupérées. Du coup, c'est pas grave. Pas bien grave. Après, j'ai plus vraiment de place sur les placards parce que entre les bouteilles, alors on a gardé quelques bouteilles de bière, mais c'est plus. La Pédieu, parce que c'est une des bières qu'on adore, moi et mon mari. Et après, niveau whisky, bon, c'est pas moi qui bois du whisky, c'est pas mon truc, franchement, je n'aime pas le whisky, c'est un peu trop fort pour moi. Et quelques bouteilles de coca, il y en a une qui est super belle avec de la dentelle et tout, je vous montrerai un jour peut-être. Et une au litchi, alors litchi, il me semble aussi, je pense l'avoir goûté, mais quand j'ai regardé dans ma collection, ben, je l'ai pas. En fait, donc je suis pas sûre en fait de l'avoir goûté. Pourtant, le litchi c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque chaque année ma mère elle ramène des Mirabelles pour mon mari et pour moi elle me ramène des litchis parce que moi je préfère les litchis aux Mirabelles. Donc on a chacun son fruit de l'année en gros sachet. Oui, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc que dire? Que franchement je suis assez surprise, assez. Agréablement surprise du colis. Je m'attendais pas du tout à ça. En plus, sur le coup, elle m'avait parlé. J'avais montré mon haul action avec la pâte polymère. Et moi, je m'attendais juste à un petit colis avec quelques petits trucs pour la polymère. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle en faisait et qu'elle voulait se débarrasser de quelques matériaux qu'elle utilisait avec, comme des moules, etc. Donc, je m'attendais à un petit truc en fait. Mais après, au plus les jours passaient et au plus je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi elle me demande de rester chez moi, d'être chez moi, si c'est un petit colis en fait, parce que les petits colis ils rentrent dans les boîtes aux lettres. Et là, je me suis dit, en fait, ça sent le gros colis en fait. Ça sent le gros colis, le colis qui rentre pas dans la boîte aux lettres. Effectivement, il rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je suis assez surprise. Et puis ça change, parce que c'est souvent mon mari qui reçoit des colis, parce qu'il gagne des concours. Donc. Voilà, hein, encore la semaine dernière, 60 kilos de PLA, du coup, il essaye de les vendre parce qu'il y a un peu trop de PLA. Il y en aurait eu, là, si on calcule, il y en a, c'est peut-être 3-4 ans, quoi, voilà. Mais, donc, ouais, à chaque fois, c'est lui qui reçoit des colis. Parce qu'après, c'est normal, il fait des concours, il gagne des concours.
Je suis pas jalouse. Un petit peu. Mais voilà, ça fait plaisir quand même d'avoir moi aussi un colis. T'inquiète pas. Alors, je sais pas quand, mais je t'enverrai quelque chose. C'est obligé que je te remercie. Remercie. Alors, je sais que tu n'envoies certainement pas ça pour recevoir quelque chose, mais c'est parce que moi, je peux pas recevoir et ne pas donner en même temps parce que je me sentirais tellement mal à l'aise. Je te remercie beaucoup, vraiment. Le colis m'a fait énormément plaisir. Je sais que l'émotion n'est pas aussi palpable que parce que je l'ai déjà ouvert. Mais sache que quand je l'ai ouvert une première fois, que j'ai ouvert un des sachets, j'ai refermé aussi vite. J'ai dit, je vais déjeuner. Je vais déjeuner tranquillement. Je vais aller prendre ma douche et je vais réouvrir le colis après. Elle m'a donné ça. En fait, c'est des petites boîtes. Dedans, il y a des feuilles. C'est du savon. Tu prends une Ah feuille. oui, je connais. T'en veux une? Oui. Tu veux laquelle? Vert. Tu mets ça dans ton sac, comme ça, si à l'école il n'y a pas de savon, bah. Et là, au coup, je suis pas. Donc en gros, Chloé elle est venue voir ce que j'ai eu et elle essaye de négocier pour avoir quelque chose. Penses-tu sur ce stylo-là? Non, mais c'est trop dur. Ou au moins tu me laisses un lapin. Un lapin. Ouais. T'aimes bien lequel? T'aimes pas le rose, je prends le rose. À moins que tu préfères que je prenne le blanc. Ouais, c'est entre les deux. Suis étonnée quand même. Ok. Et après, bah, c'est des choses que. C'est du maquillage, c'est du thé. À manger quoi. Ouais, à À manger. boire. Il y a les chips à la prune. Chouette. Il y a du gloss. Tu veux le tester? Enfin bref, voilà. Qui. Faire quoi? Les vacances, c'est pour décorer? Ouais. Enfin bref, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah.